Un accord cadre a abouti à la commande et la livraison est prévue de 2023 à 2027. Clean Logistics a obtenu une commande de 5000 camions à hydrogène auprès de GP Joule dans le cadre d'un accord cadre. Les véhicules seront livrés à partir de l'année prochaine jusqu'en 2027. La pré-série des véhicules devrait commencer ses livraisons fin 2023. Le volume des ventes de camions à hydrogène pour Clean Logistics se situe dans la fourchette basse à un chiffre du milliard d'euros. Le moment précis des ventes et de la livraison dépendra du moment de l'approbation des subventions prévues. Cela dit, les détails des conditions de livraison ainsi que des contrats de maintenance doivent encore être définis. Le PDG de Clean Logistics, Dirk Graas, a déclaré que cette commande représentait le plus gros contrat de ce type au monde. Le PDG de GP Joule, Ove Petersen, a ajouté qu'il considérait Clean Logistics comme le partenaire idéal qui nous aidera à couvrir l'ensemble de la chaîne de valeur à partir d'une source unique, de la production et du stockage d'hydrogène au développement d'une infrastructure correspondante et à la fourniture de véhicules électriques à hydrogène. La commande de camions à hydrogène a été rendue possible grâce à l'acquisition en juillet de Ginaf Nederland. Clean Logistics a acquis Ginaf Nederland, un constructeur de camions des Pays-Bas, en juillet. Grâce à son achat de cette société, elle a pu élargir considérablement ses offres, passant de sa précédente limitation des rénovations et des conversions à la capacité de développer et de produire des véhicules de transport à zéro émission. Le statut de Ginaf en tant que producteur indépendant avec les exigences européennes nécessaires en matière d'immatriculation des véhicules a été au cœur de cette transition. Clean Logistics a souligné cette acquisition dans son annonce de la commande massive de GP Joule, affirmant qu'elle était parfaitement positionnée pour augmenter de manière significative la production indépendante de camions et de bus à hydrogène zéro émission au sein du groupe. Cette société a l'intention d'utiliser l'essieu spécialement développé avec des moteurs de moyeu de roue ainsi que le système de contrôle appelé eBOS pour pouvoir construire les camions à hydrogène. Les solutions électriques à piles à combustible de Clean Logistics dans sa production en série seront développées par Xpense Drive System. GP Joule est un fournisseur de systèmes intégrés d'énergie solaire, éolienne et de biomasse fondé en 2009, qui fonctionne également comme un partenaire au niveau des services publics pour l'électricité, la chaleur, le H2 et la mobilité électrique. Merci de suivre Hydrogène Fuel News. Assurez-vous de cliquer sur s'abonner et de cliquer sur le lien dans la description pour obtenir notre e-book gratuit.